Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 2019 pour le retour d'une série. Donc là, on est sur une nouvelle map qui est super bien pour moi, et qui va bien pour cette série. Hein. Je voulais voir un petit peu, je dis bah, pourquoi pas faire cette série ici. Souvenez-vous, en 2010, bah, Farming 17, on avait fait une série, parce que vous l'avez peut-être vu dans le titre, hein, 100%. Renault et vieux matos, et j'avais dit peut-être que certaines séries vont revenir. Ben oui, oui, ceci va revenir. Alors ça va pas être 100% Renault parce que ben on a que 3 Renault, hein, déjà. On a le 900, on a le 180, on a le 96 là, qui vient de sortir il y a un jour, et on a le voilà. Et donc on a que 100 Renault et on n'a pas plus, hein. Donc du coup, aujourd'hui ça va être, bah, pour cette série, ça va être 100% Fendt et non vieux Renault, vieux matos. Pourquoi? Parce que on a du matos, mais on aura besoin de pas mal de matos qu'il faudra. Donc on sera 100% Fendt, mais il y aura quand même du vieux matos. Donc là on est sur la ferme principale, on est en Nautite, vous voyez, je suis sur 500 000, j'ai en Nautite, on est sur la map qui est sur, comment elle s'appelle, Farm, un truc comme ça, elle a le nom, voilà, Main Dune Ground Farm, voilà. Donc là on est sur la ferme, il y a plusieurs fermes, hein. Il y aura les vaches, etc. Alors on spawn vers une maison, je vous ferai une vidéo, l'épisode 2, je vous montrerai la maison. Elle est tellement bien faite que c'est waouh. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à acheter des véhicules, donc ça sera que du Fendt. Oui, j'ai trié mes modes, vous avez regardé bien. Donc on a les fans de base, et on a, bon là on a le, celui-là il va pas dans cette catégorie, mais on a le 300, on a le 500 en moyen, on a pas mal de moyens. Donc déjà on a le 500 en petit tracteur de valet de ferme, bon il peut servir en moyen. On a le 300, là on a le 700 là d'origine. Parce qu'elle était, en fait, la marque était bien avant, mais moi j'avais le jeu sur FS15. Et du coup, ben, revoir ces fentes sur Farming 17, je dis ben, pourquoi pas, pour le 19, faire cette marque-là. J'ai hésité un petit peu, il y en a une autre marque que je voulais faire aussi. Et voilà, on a pas mal de fentes. Ça c'est cool. Voilà, bon, on en aura d'autres, hein, vous inquiétez pas, hein, des petits, des gros. On a des 900 et tout comme ça, mais avant d'avoir des 900, j'ai oublié d'enlever celui-là. J'ai pas dû le voir, le Dutch Bull. Ouais, faudrait que je l'enlève. Mais voilà. Et par contre, en matériel, on n'aura pas du Fendt. Pourquoi? Parce qu'il y en a aucun pour l'instant. Si, je crois que j'ai vu qu'il y avait une comment ça s'appelle, mince, une presse à balle, mais je ne l'ai pas déchargé, mais je la déchargerai. Donc on aura d'autres marques, hein. Il n'y aura pas que Fendt, hein. Il y aura du Kuhn, etc. en matériel, hein. En tracteur, ça sera que du Fendt, je vais arriver, hein. Voilà. Et et du coup, bah voilà, là je vais voir les moissonneuses. Il y a aussi les moissonneuses Fendt qui sont revenues, qui sont reconvertis, je vais voir si je les retrouve. Mais voilà, mais pour l'instant, voilà, en termes de matos, en termes du matériel de la ferme Fendt, il n'y a pas beaucoup de choses. Voilà. Donc, hop, on va commencer par s'acheter ce champ. Bah oui, on va s'acheter ça. Ouais. Donc allez, hop, on va acheter ça pour 212 000. Voilà. Bon, on a la rivière. Voilà. Voilà. Ah, mais on a le champ derrière. Et on va jouer réaliste un petit peu. C'est à vous. Ah, c'est du colza. Du colza, c'est cette partie-là. Ah bah c'est tout le long. Ah bah. J'ai fait une bonne pioche. Voilà. Et il nous reste combien en argent?
J'ai pas vu. Attends, on va voir. Je vais prendre un truc. Il nous reste 200 machins. 200 machins, désolé. Là, on va emprunter le max. On peut pas cliquer sur la molette. Et on va acheter pas mal de trucs, hein. Pour commencer, on va déjà on essaie de rallier. Pour l'instant, on commence toujours comme ça. Voilà. Alors, on va s'acheter lui 700 000. Non, moi j'ai 700 000, mais c'est 90 000. Celui-là, je vais l'acheter. Et celui-là, je vais l'acheter. Voilà. Donc, on va aller rendre visite à la ferme. On va voir en mode speed ce que c'est. C'est des patates, mais on n'en veut pas. Donc là, je pense que les trois champs, on va les acheter plus tard. Ça, c'est du coton. J'en veux pas. Ouais, c'est un mois, mais c'est du coton. Ouais, parce qu'il a pas, il a pas capté. Ouais, là, c'est de l'herbe. Voilà. Donc, tout est ouvrable dans cette ferme. Alors, hop. Touc, touc. Voilà, on met le speed. On va se commencer par... On va s'acheter un tracteur. Donc, on va prendre celui-là de base. On va commencer par des véhicules de base et après, ce sera des véhicules modés. On a combien de temps de vidéo? On va préparer le matériel. On est à 7 minutes de vidéo. Alors, il faut que ça charge. Ça, c'est cool. Bon, j'espère que vous m'entendez, mais ça charge. Hein. Voilà, Fendt. Voilà. Moi, je l'ai jamais utilisé. Non, je l'ai jamais utilisé. Si, j'ai joué moi, mais en vidéo, vous l'avez jamais vu. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose? Nokia, du Trelleborg, bon bah du Trelleborg, en roue jumelée, est-ce qu'on prend en roue jumelée? Non, en roue fine, non, en pneu large, donc en pneu large, en configuration. En configuration. Et ce qu'on va faire, on va faire réaliste, c'est-à-dire si le véhicule n'est pas si puissant, on le revendra pour acheter le même mais avec une nouvelle version. Qu'est-ce que il nous propose? Ouais, 150. Ce qu'on va faire, est-ce qu'on le prend pas en 115? On va le prendre en 150 chevaux, chargeur en long. Et lui. Voilà, retour. On va s'acheter une benne. Donc les bennes en. Qu'est-ce qu'on a en benne? Il nous faudra une benne. Après, j'ai des bennes modées. Voilà. Bon, après, c'est vrai, ouais, j'ai pas beaucoup de benne. Ici, après, j'ai des remorques voiture. Ce qu'on va faire, on va se prendre. Je vais prendre la petite Josque. Ben, je vais prendre celle-ci, tiens. On va prendre celle-ci en pneu. Voilà. Pour commencer, je vais acheter aussi une masse aussi. Alors, on va prendre les masses MX de Jouons dans le Pré. C'est celle-ci. Je vais les prendre comme ça. Et je vais les prendre. On va les prendre comme ça. Voilà. On va, parce qu'on peut. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut rajouter des extensions. Hein, si je veux 800, 400 et 500, et normal. Retour, faudra passer le décompacteur.
Est-ce que mes champs, on va regarder, ah bah sauvegarde, est-ce que mes deux champs sont, alors on aurait pu récolter, mais bon, je vais pas louer la machine pour ça. Alors, retirer les fans, ça on s'en fout. Lui doit être labouré, lui non. C'est cool. Donc, on va s'acheter. J'en étais où? Qu'est-ce que j'ai en décompacteur? Ça, c'est un décompacteur, mais il fait trop. 100 chevaux. Lui, 75. Lui, il est gros. Est-ce qu'on peut configurer? Bon, on va laisser comme ça de toute façon. Lentienne. Note. Lentienne. Note. Lentienne. Désolé si vous voyez des trucs. Ben, pour ça, ouais. Voilà. Donc, on est dans marque. La moissonneuse, je verrai. Parce que une moissonneuse, ça va coûter cher. Mais je vais prendre une petite moissonneuse. Moisse bâton. Il y a ceux de base. Mais bon, j'aime pas celle-ci. On pourra prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci. Bon, il y a des grosses. Il y a des. Voilà, celle-ci, celle-ci. Il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà. On verra bien. Ah oui. C'est vrai, comme je joue avec le gearbox. Faut tout que je paramètre. Bah comme c'est un vieux tracteur, on va se mettre en 2, 6, non. 100, ok. Mets-toi à 22 km/h. Ah mais je peux l'attacher là si je veux. Voilà, je joue. Ouais, pour le klaxon de base est en vue intérieure. Hop là. Oups, j'ai avancé un peu, bon c'est pas grave. On va se mettre en vue intérieure. Les pattes. Alors on roule à gauche, c'est vrai. Putain. Mais je voulais prendre large. Voilà. Et on ouvre la porte. Un conseil, maintenant on peut ouvrir la porte en même temps. Oui, bah franchement, pour pas trop non plus. Hein. Deux petites minutes, les gens. Si le truc veut bien. S'il veut bien. S'il te plaît, vas-y, vas-y, putain. Deux petites minutes les gens, hop, s'il veut bien. Deux petites minutes. Re les gens. Donc on m'appelle pour manger encore une fois. Alors. Juste voir s'il fait la texture de la bourre, j'aurais bien aimé. Je vais voir un truc les gens. 90. De toute façon, bah simple. Ah oui.
Mais il fait pas texture des labos, mais bon. Bon, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous voyez, j'ai même mis ma casquette fan, alors vous verrez pas. Mon t-shirt. Vous verrez mon. Voilà, il y a mon t-shirt. Je l'ai mis un peu aux couleurs du tracteur, mais bon, du vieux tracteur, mais bon, je l'ai mis un petit peu trop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a fait pas mal de choses, il y a 15 minutes. Voilà. Et moi, je vais. Parce qu'il est grand ou pas celui-là? Oui. Bon, on verra bien. Je le ferai en off. Ou on le fera dans une prochaine vidéo. Mais j'aurais bien trouvé un décompacteur plus gros. Qu'il a 250 chevaux, mais bon, on verra bien. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. J'espère que cette nouvelle série vous plaira. Dites-moi dans les commentaires. Hein. Comme je dis, toujours commenter hein, pour me dire. N'hésitez pas à liker ou à disliker, comme j'ai dit. N'hésitez pas à me suivre dans les dans tout ce qui est dans la description. Désolé de la personne qui est venue. Voilà, hein, je m'en excuse. C'est un peu, hein, je fais une vidéo. Donc voilà, bon moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je vais peut-être avancer pas aujourd'hui mais une autre prochaine fois, mais on verra bien. Ou sinon ça, on continuera ça en vidéo, mais on verra bien. Bon moi je vous laisse, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye.